matin, et là, vous ne lâchez pas ça. Voilà un outil qui est fait aussi tranquillement pour. Vous devez trouver la zone correcte de l'avant-bras qui vous permet de conserver le contact avec la séance juste. Là, si vous faites ça, c'est pas bon. Le gêner en venant ici, ouais, que en venant ici, ouais, pas à l'intérieur. Ouais, vous avez ça, même si au départ ça vous paraît bizarre, vous dites, ah ouais, mais c'est parti souvent, les garçons disent, ah ouais, mais là, mais... Tu peux pas, le genou. Tu peux pas. Ouais, pas dans cette situation. Un, ouais. Un. Et je croise. Pour l'appliquer. Ouais, ça veut dire qu'au moment du contact, je ne dois plus chercher vraiment à percuter. Pour l'instant, je dois chercher. Ça me ramène ici. Ok, peut-être la sortie, elle est par là. Et puis de là, elle est là. Et de là, elle est là. Et tout dans la poussée des mains. Ouais. Voilà. Occupez cette ligne, hein, parce que sinon, il y a un risque. D'accord. Toute technique a son point faible. Vous ne pouvez pas, mon maître disait, vous ne pouvez pas fermer toutes les portes en même temps. On n'a pas assez de bras. Donc forcément, quand vous fermez une porte, vous ouvrez une autre porte. C'est comme ça, c'est pour ça qu'il n'y a pas de technique invincible. On ne peut pas tout protéger en même temps, c'est impossible. Donc vous fermez là, c'est ouvert là, vous fermez là, c'est ouvert en haut, etc. etc. Donc la conscience, c'est de savoir quand vous faites un mouvement, ouais, si je fais ça, où est, quelle est la ligne ici pour me mettre, qui doit occuper pour me mettre en défense. On dit souvent la meilleure défense, c'est d'attaquer, mais c'est mal interprété. Je crois qu'il faut frapper le premier. Mais ce n'est pas ça. La meilleure défense, c'est l'attaque. Pourquoi ? C'est-à-dire, en attaquant, vous mettez l'autre en défense. Ouais. S'il n'attaque pas, je peux continuer mon développement. Mais si au moment où je fais ça, j'étais attaquant, et là, je suis devenu défenseur. Parce qu'il m'a mis en défense. Ce n'est pas le fait qu'il m'ait attaqué, il m'a juste mis en défense. Donc, occupez cette ligne, celle-là, maintenant, elle est là. À partir de là, go. 1, 2, ouais, tac, ou là, vous pouvez faire pas, tac. À partir de ce point, on va, hop là, rabaisser. Ici, vous pouvez, 1, ici, 1. Quand ça arrive là, ça, même chose, ça doit passer, hop là, devant. Ouais. Si vous vous retrouvez, je sais pas, là, il a plus son contact, je suis sorti. J'étais là. Et à la place de ma cible, c'est ma main, mais moi je suis passé derrière. Donc ça veut dire que devant, je peux travailler. Là, souvent, on veut pas plus cette distance-là. Ça va ? 2, 3, 4. Une autre forme. On voit dans Cylinder Form français. 1, 2. Je ramène à la même chose. 1, 2. 3. 1, 2. 3. 2. C'est toujours la même idée. Simplement, là, maintenant l'enveloppement ici garde. C'est là où il ne faut pas arrêter. Tout à l'heure, on était en haut. En haut, on essayait. De ne pas arrêter ça, ouais. De ne pas stopper le crochet et de repartir. Ouais. Maintenant, si c'est en bas, il va falloir, là en plus on est sur un direct, donc ça va être plus simple, mais c'est pas grave. Ouais, il va falloir essayer. 1. Comment faire pour 1. Ouais, regarde, côté. 2. 2. J'ai celui-là. Doucement, on va traîner. Doucement. Voilà, là, ça va, on est là. Quand il pousse là, je sens la pousser. J'accepte. Ça
forme se transforme en son contraire quand elle arrive à son extrémité. Donc il pousse. Ah, je vais avec, je vais pas me heurter à sa force. Ouais. Là, il pousse, hop. Une petite pause sur le tchoum. Stop. Tchoum, voilà, là. Quand il va pousser, celle-là, je vais l'enlever. Mais l'autre qui est derrière, il pousse quand même. C'est elle qui va prendre le relais. Ce qui fait que, comme il est en train de venir ici, je vais pouvoir me servir de ça là pour parer. J'ai toujours, si je gère que ça, c'est dangereux pour moi. Je gère toujours celle-là. Ouais. Là, il va pousser. Hop. Et j'ai fait un pas arrière. C'est de ce point-là. On pourrait faire très simplement, boum, ici. D'accord ? Boum, aussi. Paré, tac, paré, tac. Ou, hein. Celle qui est en haut va aller en bas. Celle qui est en bas va aller en haut. Ici. Ouais. Frappe, si vous voulez. Un, deux. Ouais, on essaie ? Vous êtes un individu lambda, adoptez pas des attitudes de pratiquant de Wing Chun. Il y a d'autres gens dehors qui font du Wing Chun. Parce que Ip Man, il n'y en a que 1 million dans le monde. Vous n'avez pas beaucoup de chance de le retrouver face à quelqu'un qui vous appelle comme ça. Vous voyez, vous avez plus de chance d'avoir des gens qui essayent de vous appeler comme ceci. La boxe est beaucoup plus répandue, même enfant, quand on ne sait pas boxer, on joue à Mohamed Ali pour pas de faire équiper, et c'est des attitudes qu'on reprend instinctivement quand on a à se défendre, et s'il y a une bagarre, souvent vous allez retrouver des gens qui disent oh mais je bouge. Pardon. Ouais, vous allez souvent rencontrer voilà, des gens qui vont vous attaquer de cette manière. Là ici, 1 et 2. 1, 2. Je suis en haut. 1. Ouais, c'est comme ça. 1. Ouais, c'est en bas pour. Venir ici. On peut pas tout mettre dans une forme à main nue, hein. Pas tout dans une forme à main nue. Dans la forme à main nue, Silim Tao, vous avez le Paxao inversé en haut. Et vous avez le Paxao renversé. Inversé. Et vous avez le Paxao inversé. Dans la forme en mannequin de bois. Puis en haut. La main en bas, 1, 2, elle va renverser, 1, 2, 1, 2. La main en haut, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, ouais, 1, et je repars dans l'autre sens. 1, 2, 1, 2, 3, ouais, 3 et en même temps, 4, le déplacement va être important. 2, 3, 4, sortez. Bon, ça. Là, on a fait garde ça. 2, juste avant. Encore. 2, 3. J'ai juste rajouté en bas. On a une direction en bas et puis on commence à travailler sur la forme bonne. Ouais. 1, 2, 3.
Cette fois, je ne change pas de main. Le contact ici, je vais le garder. Voilà, go, là. Il est ici, prends contact et stop. Voilà. Quand va y avoir la poussée, j'accepte et je renvoie. Et quand je dis j'accepte, c'est-à-dire je vais avec. Ouais. Et ici, je sens cette poussée. Un, deux, je maintiens. Et naturellement, en sortant ici, le point, il a plus son contact. Par contre, moi, j'en ai récupéré. Deux. Ok. Là, ça va être notre bonne. Notre fameuse bonne. Deux, trois, quatre, cinq. Ne soyez pas là. Parce que là, voilà. Ouais, une fois que vous l'avez eu, ici, ferme. 4, 5, 6, avec le poids, 1, jambes fermées, et avancez, tel qu'indiqué dans ma forme, 1, 2, 3, ouais, 1, position de côté, 2, ici, 3, jambes fermées, passe, prêt, bien sûr, il y a un, le mouvement, c'est 1, 2, dévie, repas, absorbe, repas, 1, 2, il y a aussi, une fois que vous avez une direction droite parfaite, bien placée, vous devez chercher des légères courbes qui vous permettent en certains moments d'accélérer, d'augmenter la vitesse. Ouais. Si vous faites que des lignes droites à chaque angle, votre force elle s'arrête. Donc, il faut de la ligne droite d'un point à un autre quand c'est vraiment parfait. Après, il faut arrondir au bon moment dans les changements de direction pour aller plus vite. Ce qui fait qu'en fait dans le virage, on perd de la vitesse. Ouais. Ça va ? Une dernière fois, ben après vous avez votre temps, hein. Analysez bien, après il va falloir le travail. 1, 2, 3, 4, ici, ouais. 5 et 6. Ouais. Essayez d'avoir ça de la façon. On part ici. Mais il faut savoir que ça se fait aussi. 1, 2, on sort. 1, ici, et 2, en passant sur le côté. Soit vous êtes ici. 1, vous êtes en face et vous rentrez là, mais 1, 2, ouais. Ici, 1, 2, je pars dans l'autre sens, j'étais ici, 2, 1, 2, ne restez pas là. Cette fois, vous amenez sur le côté et vous repartez ensuite. On peut faire, c'est celle-là. Juste avant. On rentre. Enfin, on sortait le dos. Et ensuite, on rentrait. Et celle-là, c'est côté. Et on rentre dans l'autre sens. Sur le point de ça, on peut chasser ses bras pour pouvoir repartir dans l'autre sens. 1, 2, 1, et partez dans ce sens pour vous éloigner de.
de ça. Hein, vous avez les deux à ce moment-là. Thank you.